Planète Rap. Planète Rap. Ah. Ce que vous allez entendre maintenant, jamais vous ne l'avez entendu. Avec elle, c'est le marathon. Avec elle, pas de baratin. Une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. Avant que la nuit ne s'achève, que le jour se lève. 3, 2, 1. C'est l'émission rap de référence, l'émission rap numéro 1 en France. Planète Rap sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap l'artiste. Passez une bonne soirée, bienvenue. On est sur Skyrock, les images sont dispo sur le Skyrock FM, sur l'application Skyrock. Il fait son grand retour dans Planète Rap. Yes. Avec un grand plaisir, ça fait plaisir vraiment de t'avoir. Ah, le plaisir est partagé, mon Fred. D'autant plus qu'on en parlera évidemment cette semaine, mais j'espère que t'as pas un mauvais souvenir de ton dernier Planète Rap. Bah, le mauvais souvenir. C'était arrêté en cours de semaine. Il est pas sur le Planète Rap, le mauvais souvenir. Mmh. Il est après. Mais voilà quoi. On y reviendra cette semaine sur tous les déboires et sur cette longue vie d'artiste, mine de rien. Ouais, c'est vrai. Jusqu'à ce double projet. Un chanceux. Ouais. Longue vie d'artiste. Un projet qui est sorti au mois de juillet, d'abord. D'abord au mois de juillet. Un avant-goût. Et puis il y a 10 nouveaux titres, 10 nouveaux sons inédits. Exact. Aussi que tu as décidé d'ajouter, qui sont donc dispo dès maintenant en double CD. Exact. C'est quoi, c'est une édition collector? C'est une édition collector, mais c'était même prévu comme ça en fait. Ouais. C'était prévu de livrer un double album. Et c'était prévu de ne pas tout livrer au départ, mais de donner quand même de la musique parce qu'on sortait de confinement. Comme avant, d'où le nom Comme avant. Exactement. Voilà, c'est le nom de ce projet qui s'appelle Comme avant, qui était sorti au mois de juillet. Et c'est vrai qu'on sortait de cette période de confinement. Exact. Là, on est retourné dans le couvre-feu. Je pense qu'on va repartir dans le confinement. Et il est fort possible qu'on reparte dans un confinement. Ouais, c'est chaud. C'est donc chaud. Il aurait pu s'appeler aussi juste avant, ou en attendant. Mais non, il s'appelle Comme avant, ce projet. Il y a 30 sons, il y a 30 morceaux de l'artiste, ouais, qu'on va pouvoir aussi découvrir cette semaine. Il y a des invités qui vont passer. Ce soir, on va retracer ton parcours, ton long parcours. Ok. On va retracer tout ça durant la soirée. Tu nous présenteras aussi tes invités. Mais juste avant, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Voilà ce qui vous attend si vous n'êtes pas encore procuré ce projet. Dans le CD1, sur la partie CD1 de l'artiste Comme avant, voici ce qu'il y a à l'intérieur. Écoutez. Aucun remède, aucun remède. Trop de fils de pute dans le périmètre. Même si l'ennemi est intérimaire, aucun conflit ne sera entériné. Niquer des mères, c'est le créneau. Et ça depuis phénomène. Planète Rap. Pas la Bugatti, j'ai que mania. J'te voulais dans ma vie, mais t'es pas pour moi. Planète Rap. Regarde tout est black. Les gens de l'AMG au cœur des mecs de la BAC. Des bords de Bagnolet, Amsterdam, remplis le sac. Faut garder l'équilibre si t'as la douane dans les pattes. Planète Rap. Seconde voix, l'artiste était comme juste un second moi. Je fais le chant du cinéma pour parader. On connaît le chemin du paradis. Écoute, hypocrite, c'est mon paradigme. J'arrête la musique, c'est un paradoxe. Planète Rap. Je suis un paname, je nique les plaquettes, je le souhaite tristeux. J'ai le doigt griffé, le cœur écorché, m'entends débriefer. Tu veux ta quiche, t'as, faut me faire kiffer. Planète Rap. Change. L'équipe est change. I'm on a man, we need a coach of vita. I'm on a man, Planet Rap. Merci Père, j'ai fait kiffer tous les gosses avec mon numéro. Quand t'as une galère, tu te rappelles que t'as mon numéro. Mais c'est rien mon frère. Planet Rap.
traumatisé, tu lis, faut les traumatiser. On va les traumatiser, l'artiste va traumatiser. Planet Rap. Planet Rap. Parce que c'est toi qui m'as pris, pris, que chaque chose a son prix, pris. Le chemin du paradis, pris. Le front sur le tapis, pris. Planet Rap. Alors ça, c'est pour la partie 1. Exact. Mais il y a une deuxième partie. Ouais. Et t'as mis les morceaux inédits un petit peu partout, en fait, dans la partie 1. J'ai mis les morceaux inédits un petit peu partout parce qu'en fait, je l'ai composé de deux manières. Il y a une partie un peu plus introspective, un peu plus, on va dire, crue, brute, un peu plus qui parle de ma vie, qui parle de mes opinions. Et il y a une partie qui est un peu plus légère, qui est un peu plus festive, un peu plus lover, qui parle d'amour et tout ça. Donc voilà. Donc il y a deux parties pour tout le monde. Exactement. Voilà, tout le monde va se reconnaître dans un morceau. Et puis il y a aussi un beau panel de différentes productions aussi musicales, je parle. Donc voilà, il y a ce que tu sais faire déjà depuis de nombreuses années. Exact. Il y a pas un son précis. Voilà, il y en a plusieurs. Il y a une belle mixité de sons. Exactement, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire cette musique qu'on fait, cette pop urbaine, comme on appelle ça. Pour moi, ça. T'aimes le terme d'ailleurs, pop urbaine ou pas? Parce que c'est très, on est très partagé là-dessus. Ben, le truc, c'est que il fallait bien caser certains artistes à une époque. Et il fallait trouver un mot, un nom, un intitulé. Mais ça reste du hip-hop, ça reste du rap, ça reste de la musique. Voilà quoi, de la musique de rue. C'est l'artiste, il est là tous les soirs entre 20h et 21h sur Skyrock. Et ce soir on va faire déjà le premier tour de table. L'artiste, j'ai même envie de te laisser présenter qui est dans le studio de Planet Rap. Alors par qui on commence? On commence par Nassi. Qui est à ma gauche là, qui est un grand artiste, un grand compositeur, auteur, interprète. Interprète aussi, il a écrit pour tellement de gens aussi. Exactement, il est derrière beaucoup de succès dans le paysage musical français. De la pop urbaine aussi. Exactement. Entre autres, mais pas que aussi. Donc il est invité sur l'album, sur les deux volets, sur comment le CD1 et le CD2. Ça va, Fred, tranquille. En pleine forme? Ouais, super. Quelles sont les nouvelles? Bah écoute, ça va, je suis ravi d'être là, je suis ravi d'être de retour à Skyrock, ravi d'être avec l'artiste. C'est une longue histoire tous les deux ou pas, l'artiste et toi? Oui et non, disons que c'était amené à se faire, tu vois. Et puis on a mis du temps avant de se rencontrer, mais en tout cas dès que ça s'est fait, c'était clac. Ça a collé tout de suite. Ouais, tout de suite. On se ressemble beaucoup sur beaucoup de trucs, donc sur beaucoup de choses, on a un peu les mêmes avis, les mêmes opinions, la même voilà, donc ça s'est fait très naturellement. Et bah bienvenue à toi, Nassi, qui est là avec nous. Je te laisse présenter. Alors on reste sur la table comme ça pour et après on ira derrière là-bas. Après parler d'une autre table. Une autre table de mixage. Ouais. Il y a Mizi, qui est un artiste du label, qui est un artiste New Deal Record. Donc, c'est ton label. C'est mon label. C'est un artiste vraiment qui travaille avec moi depuis un petit moment maintenant. Et il est invité aussi sur l'album, sur le titre BLG. Comment ça va, Mizi? Ça va et toi, Fred? En pleine forme? Au calme. Est-ce qu'on peut avoir un petit CV express, d'ailleurs CV, Qui tu es, ce que tu fais? Ouais. Moi, alors là, je sais qu'on peut te retrouver donc sur le label de l'artiste. Ouais. Sur son projet aussi. Ouais. Bah, j'étais sur le précédent aussi, sur Quartier Latin. J'ai sorti deux clips au sein du label, à mon avis, NSI. Je suis sur le titre BLG, comme il vient de le dire. Et là, ça fait 2 ans maintenant que je suis chez Youssef. On se connaît depuis 3 ans. Et là, tout se passe bien, on bosse dur. Et pareil, humainement, voilà. Ça a collé tout de suite aussi. Ouais, ça, c'est le grand frère maintenant, tu vois. Il t'apporte aussi, il t'apporte des choses. Ouais, bien sûr. Ouais. Il m'a beaucoup appris. On voyage ensemble, on a fait le tour du monde ensemble. Ah, aussi, mais ça, je parlais plutôt sur le côté musical, mais il peut y avoir aussi apporté aussi. Non, mais à partir du moment où je voyage avec quelqu'un, moi. C'est que ça colle bien. Voilà, exactement, avec, on va dire, l'expérience que j'ai maintenant. J'essaie de m'entourer de bonnes personnes et c'est un jeune artiste et c'est pas parce qu'il est jeune que c'est pas un grand bonhomme, mais c'est pour ça aussi qu'il est avec moi. Parce que c'est un grand bonhomme dans sa tête, il a une très bonne mentalité et
C'est un gros travailleur. Et bah, bienvenue à toi, Mizi, qui est aussi dans le Planète Rap. Merci, Fred. Et on va saluer celui, pareil, que j'ai pas vu depuis un moment. Je le suivais, je le voyais, il était aux States, un peu partout. Il est dangereux, ce type, il est dangereux. Il était à Orléans, il était dans le 45. Tout va bien, toujours quelque part dans le 45. Toujours quelque part dans le 4-5. Ça va, Fred. Voilà, mais pour moi, c'est, voilà, DJ Battle. DJ Battle! Un professionnel de notre musique, exactement. Un professionnel de la profession. Exactement. Tout va bien? Eh ben, écoute, en pleine forme, Battle. Également. Je voudrais juste revenir. On a pendant quoi, 2 minutes, là, le medley qu'on a eu. Ça avait l'air, il y a tellement de beutu là-dedans, les gars. Je sais pas si les gens se rendent bien compte. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une rétrospective de carrière. C'est la moitié de la rétrospective de ce qu'il a fait depuis le 27 juillet. C'est vrai. Et il y a la deuxième partie qui arrive, je vous la passerai demain. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. C'est la moitié de ce qu'il a fait depuis le 27 juillet. Tu vois comment je veux dire ou pas? C'est-à-dire, c'est incroyable. Les beutu qu'il y a là-dedans, c'est dingue. Eh ben, bienvenue à toi aussi, Battle. On va attaquer sur Skyrock dans un instant. Alors, je sais pas si vous allez tous au courant et si vous connaissez vraiment bien l'artiste. Moi, j'ai découvert des choses. J'ai eu des renseignements absolument incroyables. Les renseignements généraux se sont penchés sur ton cas. Donc, on va découvrir et revenir sur ton parcours dans un instant. Ok. L'artiste, mais juste avant, tiens, on écoute le morceau. Tu nous parlais des deux morceaux avec Nassi. On va en écouter un des deux. C'est, je suis désolé, tout de suite. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que tu m'en veux à mort. C'était pas ton corps, j'ai jamais voulu te faire du mal. Et comme tu le vois, je suis pas doué. Je crois que j'ai perdu ma perle rare. Mais comment puis-je me faire pardonner? C'était pour une nuit, une fois, même pas. Tu sais, avant j'avais jamais vu. Et quand tu cries pas, je sors pas, je bois pas, je vois pas. Je sais, j'aurais jamais dû. Pourtant, toi t'es la seule que j'aime. Et je n'ai pas été nickel. Si tu savais comme je regrette. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Moi je voulais pas te faire de peine. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Je fais tout pour que tu me reviennes. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. On était la seule que j'aime. Comment défaire ce que j'ai fait? Peut-être un sourire si je vois que t'es là. Mais pour l'instant je déprime sur le périph, j'accélère. Baby là faut pardonner, tu vois pas que c'est l'air. Je vais venir braquer ton cœur comme un forcené. Y'a des choses que je ne dis pas que je garde pour moi. Baby des fois je pense à nous, ensuite c'est le trou noir. Allez me dis pas que tu vas dans la chave, s'il te plaît rassure-moi. Allez rassure-moi. Et je me suis mis en mode faible, faut changer d'atmosphère. T'as vu ta monnaie, me rappelle quand t'as fini le procès. T'as vu y'a des larmes sur tes fossettes, me dis pas à la prochaine. Je sais que tu pleures quand tu refuses de décrocher. Pourtant, toi t'es la seule que j'aime. Et je n'ai pas été nickel. Et tu m'as béni, je... Si tu savais comme je regrette. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Moi je voulais pas te faire de peine. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Je fais tout pour que tu me reviennes. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. On était la seule que j'aime. Comment défaire ce que j'ai fait? Skyrock, et c'est le Planète Rap avec l'artiste et son nouveau projet qui est dispo. Un double album, 10 titres inédits aussi, ça s'appelle Comme Avant. Et on va revenir sur ce parcours, ce long parcours, l'artiste. Ok. Regarde, d'habitude j'ai une petite feuille, deux feuilles, là j'ai 3 feuilles carrément. Donc il y a peut-être des choses que vous allez apprendre, hein, vous aussi. Je suis curieux. Que vous ne savez pas encore sur l'artiste. Bon, tout le monde connaît sa date de naissance. On va commencer par là, évidemment. Très belle date, hein. Né un.
Parfait. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, bien sûr. On est à chaque fois, on nous souhaite notre voilà. anniversaire ensemble. Né un 4 juillet 1985 au Maroc pour toi, moi aussi. Yes. C'est, je crois que je suis arrivé un ou deux ans après toi, il me semble, donc vers à peu près quoi, des souvenirs que j'en ai. Bon, t'as grandi jusqu'à tes 9 ans à Imintanout. Ouais. Région berbère, c'est ça? Exactement. Du côté de Marrakech, vers tes 4-5 ans, tu chantais déjà. Ouais. Des chansonnettes ouais. autour du patio. Exactement. Parce que tu avais une maison et il y avait un patio en ouais. vélo. Ouais. Ça, vous saviez pas, hein. 4-5 ouais. ans, il chantonnait déjà. Exactement. Puisqu'il adorait faire du vélo, il a hésité à moi, devenir sportif professionnel dans le vélo. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je tournais autour d'un petit patio comme ça que ma mère. Où ma mère plantait quelques fleurs et tout. Elle kiffe ça, elle a toujours kiffé ça. Mmh. Donc, il y avait une voisine à nous. Elle était très âgée. Et je chantais avec elle et je me rappelle de ça. Ça, c'est des bons souvenirs, ouais. Des bons souvenirs d'enfance de ces moments. Le vélo. Vraiment, t'as encore l'image de ces moments? Ouais, bien sûr, vraiment. Donc, t'aimais évidemment donc, découvrir, jouer aussi dans la campagne marocaine. Et une fois, tu parlais de ta maman, tu lui as fait une énorme frayeur. Ouais. Est-ce que tu te souviens de cette frayeur quand tu avais 4 ans? Parce que moi je l'ai cette frayeur à tes 4 ans. Quand je me suis planté un stylo? Non, enfin, celle-ci je l'ai pas, mais. je me suis planté un stylo dans non. la bouche. Non, j'en ai une autre. Tu t'es aventuré, parce que le garçon était très nature, à suivre des oiseaux et tu t'es perdu. Tu vois, ça ne m'étonne pas comme histoire, ça, bizarrement. Ah ouais? Et on t'a retrouvé plusieurs heures après. Tu te souvenais plus de cette histoire? Je pense, je sais pas. Eh ben oui. Ça je te le confirme. Vous êtes parti loin en fait. Hein. on a été tellement loin. Je sais qu'il aime les oiseaux, donc en même temps, ça me. Non, mais je suis un fou, moi. C'est vrai, je peux. Et donc, il s'est perdu. Un lézard, un chat, un oiseau. C'est vrai. Bon, ouais, comme c'est maman qui a balancé les dossiers, elle me dit qu'en cours, il n'y a pas eu de grosses bêtises, hein, pas de gros problèmes. T'étais plutôt bon à ce moment-là. Et il y a l'arrivée en France. Donc, l'arrivée en France, alors. Moi, j'avais une date, on m'avait dit c'est à tes 9 ans que t'arrives vers Aulnay-sous-Bois. Ouais. Et quand j'ai relu, parce qu'à l'intérieur, il y a une bio aussi pour ceux qui achètent l'album. Ouais. On revient sur ton parcours et il y a marqué à l'âge de 7 ans à Sevran. Ouais. Donc c'est entre 7 et. Exactement, on a fait Sevran, Aulnay. On était. Je me rappelle même plus. J'ai pas envie de dire de conneries parce que j'étais tellement jeune. Mais c'est à quel âge, quoi? Entre 7, bon, allez, 8 ans. Mais c'est ça, c'est à 8 ans. Ah, bah voilà, comme ça, c'est entre les deux. À 8 ans, en fait, j'avais déménagé juste à côté, en fait, et j'habitais à Attaque devant Attaque d'Aulnay, à côté des sapeurs-pompiers, en fait. Donc, toi qui arrives. C'est tout ce que je me souviens. Toi qui arrives en France, c'est quoi les premiers souvenirs que t'as de cette époque, justement, quitter le Maroc pour arriver ici en France dans le 9-3? Bah, les premiers souvenirs, franchement, bah, je jouais avec une voisine. Il y avait une voisine à moi, elle était en face. Elle s'appelait Anaïs. Et elle avait des poupées et moi j'avais pas de jouets, donc moi je jouais à la poupée. Ah, donc voilà. Très bien, donc les poupées c'est un bon souvenir d'enfance aussi? Ouais, c'est pas. Avec Anaïs, du recul. Peut-être. En fait, je me souviens juste qu'elle m'a prêté ses jouets, quoi, donc c'est cool. les cours, je disais les cours, bon, ça se passe tranquille, sauf la troisième. Ouais. Décider de redoubler ton année pour te réorienter, c'est ça, hein? Ah, de ouf. Je me rappelle de cette histoire. C'est même toi qui as pris un rendez-vous avec le principal du collège. Exactement. J'étais au collège Jean Zé à Bondinard et j'avais promis à mon prof principal que j'allais redoubler, mais pas dans ce collège-là, dans un autre, dans un meilleur collège, pour vraiment réussir mon année. C'était lequel? Tu voulais aller où, toi? Et je voulais aller à Pavillon-sous-Bois. À côté. D'accord. C'est une ville, bah, tu vois, Pavillon-sous-Bois. Ouais. Ça... Juste le nom. Juste le nom. J'ai envie, tu vois. Juste le nom te change, ouais. Donc j'avais un entretien, vraiment. J'avais un entretien, je devais défendre ma cause, plaider ma cause, et ce jour-là, il y avait le 11 septembre. Ah merde. Oh. Écoute-moi, je te jure, écoute-moi vraiment. C'était le 11 septembre 2001. Ouais. Je rentre dans une épicerie, je lève ma tête, je vois les deux tours tomber, je dis, je suis dans la merde. Ah ouais. Tout de suite, tu t'es dit? Je dis, elle va pas m'accepter. Et alors? Tout de suite, c'est bizarre, mais elle m'a accepté. Elle t'a accepté. Exactement, et j'ai réussi mon année, j'ai eu mon brevet, j'étais très bien, et j'ai pu finir, j'ai pu continuer mes études en général, en art plastique et tout, en littéraire comme je voulais. Eh ben, littéraire, ouais, parce que tu passais beaucoup de temps aussi à la bibliothèque François Mitterrand de Bondy. Exact. Je précise, à lire. C'est vrai. Et puis de l'autre côté aussi, il y avait le sport, tu faisais du foot. Ouais. Taekwondo. Ouais. J'ai fait du taekwondo, c'est pour ça que j'ai réussi à faire le marteau avec Chili sur le clip. Voilà. Taekwondo qui t'a évidemment qui t'a servi, hein. Comme on le sait tous. Le Planète Rap entre 20h et 21h.
pas cool ça. Non, ben non, c'était petit. J'apprécie ça, c'était ouais, moi c'était très petit. Ça. Je la retire. Non, mais venons aussi sur le côté musical. Donc à la, dans la famille, il y a les tontons hein, qui jouent aussi, je crois, des instruments de, de folklore berbère. Enfin, ouais. T'es baigné aussi par la musique déjà. Hein. Exactement. Ça t'a des souvenirs précis ou pas de le hashish, le hashish et, les instruments de musique. Et un truc aussi, ce que vous ne saviez peut-être pas sur l'artiste, il aime tout savoir, tout comprendre. Il aime bien comprendre les choses. On savait. Ça vous le saviez. Une fois pendant les vacances scolaires, tu te souviens ce que t'as fait? T'as entrepris de démonter ton ordinateur pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur et comment ça fonctionnait. Exact. Est-ce que l'ordi marchait après ou... Ouais, il marchait à moitié. À moitié. Tu l'as démonté, tu l'as remonté en fait. Ah ouais, non, il était chaud. Exactement, j'avais installé Cubase 95 à l'époque. Franchement, c'était lourd. La musique, elle arrive à l'âge de tes 13 ans vraiment pour toi, hein, c'est ça? À partir de tes 13 ans, ouais. Tu commences à... Ouais. Est-ce qu'on concrétise comment? C'est quoi? C'est par des albums que t'écoutes, des claques? Tu te souviens des claques que bah, t'écoutes à l'époque? Bah oui, bien sûr. À ce moment-là, Ministère Hammer avait déjà fait leur bruit... NTM, c'est le rap évidemment. Ah, t'es baigné par ça. Exact. Que par le rap de New York principalement, du Queens principalement même. Je suis fou de Nas, de Mobb Deep, Infamous Mob. Donc j'écoutais CNN. On va revenir dans un instant. On va continuer ce parcours de l'artiste et on va s'attaquer sur le côté musical. Juste avant, je vais quand même finir là-dessus. C'est niveau cuisine, c'est ce qu'il faut faire à manger pour qu'il soit heureux, pour qu'il ait un grand sourire, l'artiste. Bah écoute, moi, pour anecdote perso, je suis obligé de le révéler. Moi, je suis au studio de l'artiste depuis quelques temps. Je viens assez régulièrement. Et il cuisine lui en fait. Donc quand je viens, il y a toujours un plat différent. Il est très inspiré, il est très bon. Il fait vraiment très bien et il fait vraiment des trucs incroyables. Et ben moi je vous le dis, donc je sais pas ce qu'il rend pour lui faire plaisir, c'est les bonnes pâtes fraîches avec une bonne sauce tomate italienne. Ah ça, en raison. Évidemment les plats marocains, le trid, c'est ça hein. Exactement, le trid. Le trid. C'est pas un truc sur Twitter, le trid. Non, c'est le trid. C'est un plat à base de pâtes feuilletées. Exactement. Imbibé d'une sauce en lentille avec du poulet et du safran. Oh là là. Alors ça t'as vu? Il est passé à la maison, il a mangé un bon plat de trid. Et par contre, le truc qu'il faut pas lui faire, c'est les navets et trop d'ail. Ouais. Voilà, vous savez tout là-dessus sur le côté culinaire de l'artiste, mais dans un instant, on va revenir sur le côté musical. Ça y est, il n'y avait pas trop d'erreurs, c'est bon, les renseignements sont fiables. Les renseignements sont généraux. Les renseignements sont totalement généraux. Impressionnant. Ça travaille dur. Tu vois, il y a même des trucs, il se souvenait plus l'oiseau qui l'a perdu. Je te jure. Et des choses comme ça, il s'en souvenait plus. Et t'as parlé d'un stylo dans la bouche. On sait même plus. Je me suis planté. Oh là là, mais toi, t'aimes vivre dans le J'étais prédestiné à écrire. C'est fou, hein. Dans un instant, ne bougez pas, on vous balancera un morceau. Qu'est-ce qu'on mettra? Le Heymani juste après la pub. C'est l'artiste, c'est notre invité entre 20h et 21h sur Skyrock. Il y aura du live aussi, l'artiste. Et on finira dans un instant ce parcours, cette trajectoire, ton histoire à toi. Et notamment sur le côté musical, c'est juste après ça. Yes. Planète rap. Digo, c'est l'artiste, mais... Je n'ai pas l'habitude d'être inoubliable. Je vais finir dans la Tangier, à Zavène Bondi, à Zavène.
pêche, mais c'était crevé en bas de leur tête. C'est Skyrock et c'est Planète Rap avec l'artiste. Il est là tous les soirs de la semaine dans Planète Rap entre 20h et 21h. Comme avant, c'est oui. Le nom de ce projet. Double CD, c'est dispo, c'est dans les bacs, c'est un peu partout, c'est en streaming, en téléchargement. Exact. On peut tout trouver. Il y avait une version qui est sortie au mois de juillet. Il y a 10 titres inédits en plus, désormais dessus. Le morceau qu'on écoutait à l'instant, c'est Hey Mani. On écoutera Ya dans quelques minutes. Yes. Mais là, on en était sur ton parcours. Donc, on a découvert un petit peu le jeune artiste, comment il était, le jeune Youssef, hein. Comment il était, ce qu'il aimait. La bouffe, pour lui faire plaisir, ouais. Pour lui rendre le sourire. Maintenant, parlons musique. Ouais. Musique, on l'a évoqué un petit peu. Donc, il y a évidemment, je disais, tes oncles qui jouent du folklore, hein, c'est ça, musique. Exactement, plutôt. Ouais, c'est de la musique berbère. Toi, t'as joué aussi, t'as essayé les instruments à cette époque, t'as essayé. J'avais essayé. J'avais déjà un premier contact avec un instrument, avec le résultat de la note. Tu sais, quand tu réussis à faire une note, c'est... Exactement. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est un truc qui est compliqué. Quand tu réussis à sortir une note d'un instrument, ça crée quelque chose en toi, comme quand tu réussis une passe ou une frappe pour la première fois au foot, tu vois. C'est des choses qui restent. Et alors l'autre contact aussi que tu vas avoir avec la musique, c'est du bénévolat avec le festival du quartier festival de quartier à Bondy, ouais. Qui s'appelle Il y a de la banlieue dans l'air. Exactement. Donc tu vas participer à ce festival, c'est ça, tu vas. Oui. Tu vas donner un petit coup de main. On a tout fait. On a fait les sandwichs, on a fait les loges, on a posé la scène, on a posé les barrières. Il y avait qui à l'époque? C'était quoi? Des artistes? C'était locaux? En fait, non, c'était des artistes internationaux. Mmh. Vraiment. Nous, on était une bande de gamins. On avait 13 ans et on voulait faire de la musique. Donc, ce festival-là, il nous passait des heures de studio, des fois par exemple. Il nous aidait dans nos carrières ou dans nos débuts de carrière. Mmh. Et en contrepartie, nous, on faisait du bénévolat et on aidait à la tenue de ce festival. Et du coup, on a rencontré des gens incroyables. Zawania, Johnny Clegg, Youssou N'Dour. Ah oui, c'était vraiment des belles affiches en plus. Ah ouais. Ouais, exactement, c'était vraiment, vraiment. Manu Chao à l'époque. Vraiment, donc, et je me rappelle à l'époque, Manu Chao était venu avec son manager de l'époque, qui était Emmanuel de Burtel, qui est aujourd'hui désormais le patron de Bicose, et avec qui je travaille aujourd'hui. Avec qui tu collabores, ouais. Et lui, il s'en souvient pas, mais moi, je lui avais dit, je vais signer un jour avec toi et tu vas voir. Et j'ai signé avec lui finalement, donc. Mais parfois il oublie plein de trucs. C'est un peu normal. Comment il oublie plein de trucs de Burtel. Mais on le salue en tout cas, Emmanuel. Une grosse dédicace à lui. Donc à 15 ans, arrive tes 15 ans, et là tu vas intégrer un groupe de rap qui s'appelle Malédiction. Exact. C'est ça. Ouais. En 2006, tu vas sortir ton premier projet, Évasion. Ouais. 5 titres. Et ça, on peut plus trouver aucune trace. J'ai cherché. Non, y a plus. Y a plus du tout. J'ai quelques archives à la maison. C'est pour vrai. Pour ceux que ça intéresse, je les vends 1000 euros la pièce. Ah oui. Non, je rigole. Non, c'est impossible d'en trouver. Ces 5 titres, impossible. Non. C'est les vrais. Le premier projet, on va dire, c'est des trucs qu'on n'est jamais fiers, tu vois. Que t'as coffré. Que t'as coffré. Qu'il faut, en fait. Il faut être fier parce que moi, j'avais réussi à faire un beau projet en plus à l'époque. Un bel objet. Et j'étais content. Et puis en parallèle, quand même, tu bosses à Montreuil, éducateur SP aussi, c'est ça, hein? Ouais. Ouais. Donc il y a évidemment la passion, la musique et... À Montfermeil. Ah, c'est Montfermeil, pardon. Exactement. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, Montreuil, Montfermeil, on va dire, c'est un peu le même paysage, hein. C'est le 93, c'est un peu la même ambiance. Et j'ai travaillé dans cette ambiance-là parce que personne voulait travailler justement dans des quartiers comme Montfermeil, au Bosquet. Et justement, à cette période, j'ai vraiment ouvert mon esprit à toutes les musiques. Parce que dans ce quartier-là, ce qui m'a marqué, moi, c'est que il y a une pluriculturalité énorme. C'est-à-dire que les gens ont leur culture et je sais pas, on dirait qu'ils font qu'un, ils sont unis. C'est un grand quartier et je kiffe ça en fait. Je me suis enrichi vraiment là-bas, moi, humainement. Et t'as du son que à tous les étages, quoi. J'ai envie de dire presque. Exactement. C'est un truc de fou. Exactement. Arrive l'année 2010 et il y a ça. Tu m'écoutes, c'est ton cœur qui bounce. La tectonique, moi je viens du hip-hop. Mais c'est pour les frères de la
Et tu viens? Passe mon son. Celle qui sent bon l'Afrique. C'est d'abord salam alaikum et ensuite on communique. Je rappe pour les frères et les sœurs qui se tapent en cours à l'école ou dans la bicra qui marche droit. Donc là on est en 2010. On est en 2010. T'as quel souvenir? Les premiers souvenirs qui arrivent tout de suite là quand tu réécoutes ça? Ballastic Dog, bah il est de Montfermeil. C'est ce featuring là, je me rappelle de, ouais, de, on essayait de ramener des nouvelles sonorités dans le rap. Tu portes déjà le nom de l'artiste à l'époque? À ce moment-là, ouais. À ce moment-là, ouais, t'as décidé. Exactement. On n'a pas parlé des blasts précédents, mais tu veux Tragique. Dire un mot? Voilà. Tragique MC. Tragique MC. Ouais. Tu veux dire un mot sur Tragique MC? Ouais, ouais, il y a eu quoi, Tragique MC? Aussi vite adopté, aussi vite quitté. Il y avait Tragédie à l'époque, donc. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une grosse Tragédie. Il pouvait pas y avoir deux Tragiques. Donc Tragique MC, on est passé par là, et l'artiste? L'artiste, ça. Il s'est imposé. Exact. Il s'est imposé avec, avec ma folie, ma passion pour Hit. Et parce que il fallait, parce que j'entendais à droite à gauche qu'on n'était pas des artistes et que j'étais déjà dans un truc de, je sais pas, je voulais revendiquer quelque chose. De toute façon, parce que j'étais rebelle et que je suis comme tous les mecs qui sortent de l'adolescence, il fallait taper sur quelque chose. Et moi, je voulais dire qu'on était des artistes et que moi, j'étais même l'artiste. Et tu vas signer d'ailleurs sous le nom de l'artiste en 2013 chez Hostile, un album qui s'appelle L'Album. Donc l'artiste présente l'album. Exact. Mais ça a été un peu compliqué à ce moment-là parce qu'il y a un rachat aussi à l'époque. Il y a Warner qui rachète EMI. Donc c'est tout un bordel et il n'y aura pas de promo ou très peu sur ce projet. Très peu de promo et big up aux artistes qui étaient dans Hostile à cette époque-là. C'était la période la plus hostile. C'était pourtant en plus une belle marque Hostile puisque dès 96 est sorti la compil Hostile Hip Hop. Ah oui. C'était. Voilà. Oxmo Puccino, je crois. Bah, t'avais le Cream Pay Lunatic à l'époque sur cette campagne. C'était la folie. C'était... 2014, tiens, une meilleur souvenir, il y a ça. Hey, hey. J'ai besoin d'air. Claquer la porte, partir et jeter la clé. Kaina Samet, Rimka, DJ Amida. Couper mon fun et me barrer tout l'été. Oh, moi, je veux voir les visages briller. Bon souvenir aussi, ça. Super souvenir. Ouais. Ouais. Super souvenir parce que. C'est la première fois qu'un clip, dépasse 50 millions de vues dans l'urbain. Et c'était celui-là. Et gros carton qui a fait danser et qui continue à faire danser. Hein. Enfin, dès qu'on pourra retourner aussi en club, mais. C'était la folie à l'époque. Je me rappelle des grosses discussions avec Laurent ici, avec Laurent Bounot, pour passer le titre. Et au début, bon, il était pas très chaud. Après, il nous a fait confiance. Et je me rappelle d'une phrase, il a dit ouais, vous allez voir, vous allez passer à 1 million de vues en une semaine. Et ça c'était arrivé. Ça s'est concrétisé. On avait réussi à faire 2 millions. 2 millions. Laurent, parfois, c'est les problèmes dans le tirage des cartes. Non, mais c'est franchement, comme quoi quand on fait confiance à des titres comme ça, un peu populaires comme ça, bah ça a fait kiffer plein de gens partout hein, de 7 à 77 ans. Et toi tu vas enchaîner le 30 mars 2015 avec ça. Je suis polygame, abusé, c'est mon malheur. Album phénoménal. J'aime trop les femmes. Abusé, et le morceau polygame. Projet certifié disque d'or. Pareil, bon souvenir de cette époque. Bon, très bon souvenir de cette époque. Mais si je ressors un titre comme ça aujourd'hui, ah, je finis à Guantanamo. Ah bah là, en ce moment, c'est pas le moment de ressortir des morceaux comme ça. Là, t'es tout de suite. Exactement. Hop. C'était dans la blague en plus à l'époque. C'était, et ça l'est toujours de toute façon. C'est une chanson. Ce qui est quand même triste, c'est qu'en 5 ans, tu dis merde, on a encore régressé quoi. Ouais. Ouais. Bon, on en reparlera cette semaine aussi. Exact. 2016, 4 mars 2016, il y a l'album Maestro. Hey, hey. Certifié platine, hein, celui-ci. Hein. Ouais. En moins de 6 mois, gros carton. C'est le maestro, je mets 3 coups de tête pour marquer, un pour toucher. Je traverse la piste, y'a que des fous minimum. Et puis dans la même année 2016, tu vas aller très vite, tu vas enchaîner très vite, puisqu'il y aura aussi celui-ci. T'es rentré dans ma vie comme dans un freestyle. T'as voulu qu'on s'évade. Forcément, le gros carton au chocolat sur l'album Clandestino. Exact. 2016, comment ça se fait que ça. Enfin, est-ce que là on était parti dans le truc où il fallait charbonner, il fallait sortir les projets ouais, à tout va. Non, les gens ne prenaient pas encore beaucoup de risques. Et à ce moment-là, les risques qui ont été pris sur ce morceau, tu vois, un jeune rebeu comme ça qui chante sur de l'afropop comme ça, c'était fallait le faire. Avec Hawaii Mani qu'on salue aussi. Évidemment, titre certifié single de diamant et compte aujourd'hui plus de 450 millions de vues sur YouTube. Ouais, c'est fou. Incroyable. Allez, on continue. 23 février 2018, il y aura ça. Ça aussi, c'est un gros carton, c'est Mafiosa avec Carolina. Ouais. Et le projet Grand Destino. Donc, forcément,
forcément un projet un peu partagé parce que voilà, il y a eu plein de choses autour de cet album. Il y a d'un côté le carton et puis de l'autre côté la vie personnelle où ça va moins bien. Exactement. T'imagines ce morceau-là, je commence à avoir des demandes de concerts en Amérique latine. On me parle de Colombie, de Mexique, de mais c'était un Olympia qui était prévu aussi, me semble. Il y avait un Olympia était prévu. Je devais aller au Brésil. Je devais continuer cette aventure de Grand Destino, de la découverte du Brésil, de ce beau pays. Et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Rattrapé par un mauvais fait divers, voilà. Ouais, un mauvais fait divers. Et puis c'était la période, quoi. C'était le moment. Je pense que c'est arrivé tellement haut, vraiment. Vraiment, faire 2 années d'affilée numéro 1 en télé, en radio, en stream, en club, partout. Le faire 2 fois d'affilée, je pense que ça a commencé à énerver d'autres gens. Si je continuais l'année d'après, je pense que j'aurais pu me présenter comme président. Mais voilà, il n'est jamais trop tard, tu sais, il y a bientôt les élections dans quelques mois. Ouais, j'ai déjà quelques demandes. Quelques bonnes idées, si vous voulez. Quelques bonnes idées, on en reparlera. Et on reparlera aussi de demain, notamment dans l'émission entre 20h et 21h de cet album et de ce qui a pu se passer autour. Ensuite, 1er février 2019, donc un an après. C'est le projet Quartier Latin Volume 1. Et ça, c'est avec Oslo Enfoiré, c'est Tika. Donc, ça, tu reviens un an après. T'es dans quel état d'esprit à ce moment-là, 2019? J'ai que la haine. Ouais. T'es énervé, ouais. Ça se sent d'ailleurs sur ce projet. C'est... Ouais, j'ai de la rage. J'en veux un peu aux gens parce que c'était pas de ma faute. Si je suis parti, c'est que je l'ai pas voulu. Donc je sais pas pourquoi, quelque part j'en voulais aux gens. Donc j'étais énervé. J'ai chanté en espagnol, j'ai fait un projet en espagnol. J'ai voulu tenter des choses. Et voilà quoi. Mais c'est un bon moment quand même. C'est un bon passage, franchement, parce que j'ai sur cet album, je pense que il y a des gros titres. Mais bon, c'est comme je l'ai pas défendu, j'ai pas fait de promo. C'était pas le but non plus. Il y a même un morceau dedans où je dis nos promos, Just Porno, parce que c'était devenu de la porn musique quasiment. Yo. Avec Chocolat et Mafiosa. Tu vois, j'avais pris comme si j'avais voulu prendre un rôle de mec super revanchard, super arrogant, qui n'était pas moi, mais je l'ai fait. Tu vois, je le regrette pas parce qu'à un moment, je pense que dans la vie d'un homme, il faut pousser des coups de gueule, faut des fois péter un câble pour revenir un peu à des choses un peu plus équilibré. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est le retour avec ce projet. C'est comme avant, il est là avec nous tous les soirs de la semaine, l'artiste, entre 20h et 21h sur Skyrock. On va passer peut-être au live maintenant, puisqu'on a pas mal parlé, on est revenu sur ton parcours. Ce soir, en plus, on va en profiter. Il y a des invités avec nous. Bien sûr, on va s'amuser un peu. Bah, bien sûr, il y a Nassi Mizi qui est là aussi avec nous. DJ Battle qui est là au contrôle sur Skyrock. On va faire du live un petit peu dans Planète Rap entre 20h et 21h sur Skyrock. Et puis, on a toute la semaine aussi pour parler du projet, pour parler tôt aussi. L'artiste, parce que tu le disais, sur ce projet il y a deux parties, une partie de l'artiste qu'on connaît un peu et puis une partie un peu plus introspective, le Youssef, voilà, le Youssef sur ce double CD de l'artiste qui est sorti et qui est dispo. On attaque Battle, on est prêt? C'est quand vous voulez, je sais pas qui commence. C'est parti, coup d'envoi maintenant des lives. L'artiste sur Skyrock. Merci. Je t'envoie des wesh alors, mais tu les ignores. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que c'était pas ton corps. J'ai jamais voulu te faire du mal. Et comme tu le vois, je suis pas doué. Je crois que j'ai perdu ma paire de bras. Comment me faire pardonner? C'était pour une nuit, une fois même pas. Tu sais, avant je l'avais jamais vu. Et quand tu cries pas, je sors pas, je bois pas, bois pas. Je sais, j'aurais jamais dû. Pourtant, toi t'es la seule que j'aime. Et je n'ai pas été nickel. Et tu m'as zappé Michel. Si tu savais comme je regrette. Je suis désolé. Je voulais pas te faire de peine. Je suis désolé. J'ai fait tout pour que tu me reviennes. Je suis désolé. T'es la seule que j'aime. Je répète
peut-être un sourire si je vois que t'es là. Mais pour l'instant je déprime sur le périph, j'accélère. Bébé là faut pardonner, tu vois pas que c'est l'heure. Je vais venir braquer ton cœur comme un forcené. Y'a des choses que je ne dis pas que je garde pour moi. Bébé des fois je pense à nous, ensuite c'est trop noir. Allez me dis pas que tu n'as rien de chance, s'il te plaît rassure-moi. Allez rassure-moi. Et je me suis mis en mode fête, faut changer d'atmosphère. T'as vu ta moule, me rappelle quand t'as fini le procès. T'as vu y'a des larmes sur tes fossettes. Me dis pas à la prochaine, je sais que tu pleures quand tu refuses de décrocher. Et je n'ai pas été nickel. Et tu m'as un peu nickel. Si tu savais comme je crée. Je suis désolé, je suis désolé. Je n'ai pas de faire de paix. Je suis désolé. Je veux que pour que tu me retiennes. Je suis désolé. Je la connaissais pas. Bébé, je sais que j'ai fauté. Nassi, je connais, je n'ai jamais Skyrock. Je t'en prie, pardonne-moi si tu savais comme je t'aime. Je suis désolé. Je ne peux pas faire du bien. Je suis désolé. Tout pour que tu me reviennes. Je suis désolé. Oui. Merci. Eh. J'arrive dans la soirée comme les Gambino. À la Bambina, ça vient de Bourginor. Si tu veux fumer, t'inquiète, j'ai le bon dealer. Si tu veux kiffer, t'inquiète, j'suis un bon dealer. Ne chie pas la cam à l'aéroporto. Avant que tu la fumes, l'olive est plus fuerte. Si ça fait grave jusqu'à la muerte. C'est le rente. Toujours élégante, les balles tringuent plantées. Le décor est planté, ouais, ici c'est pareil. Toujours alimenté, faut garder la santé. Ton corps il est planté, ouais, je t'ai dit c'est pas. Ton prof t'a prévenu et tu dis c'est pas rien. Toi t'as pas écouté, viens avec les parias. Les carrières, la charia, les jugements sont variés. Les carrières, les mariages, les durées sont. Je m'en bats les glas, je vais faire des sales. On croit qu'on est pareil, on est tous dans le bad. Ouais. On fait du son pour pas leur rentrer dans la. Ouais. Je sais pas, je suis peut-être pas un homme. À quoi qu'on vit en panel, je veux pas être jugé par un homme. Me faire contrôler par un autre. Wonderflex, Class S, Mod S. Yes, Mizzy. Espèce, des caisses. God bless. Produit de qualité, terrain qualifié, brigade acquittée, cellule habitée. Focus sur talon, défonce au ballon, flic assermenté. Passe pas au JT. Du rouge dans le regard, du bleu dans les rétro. Bobo poste nous connaître loin des yeux, près de l'écran des affaires. Alléchante, mon bébé. T'es joli quand tu chantes, dommage que c'est freiné, les bracelets sont serrés. Les faits non avérés, violence tolérée, contrainte accélérée. J'passe dans les cités de France et pas à la télé. Rien n'a changé, sauf que ça se tape dans les tranchées. Rien n'a changé, sauf le tarot sur le sanger. Je m'en bats les glas, je vais faire du sale, les glas. Pourquoi qu'on est pareil, on est tous dans le bac. Ouais. On fait du son pour pas leur entrer dans la. Ouais. Je sais pas, je suis peut-être pas un homme. À toi qu'on vit au palais. Je veux pas être jugé par un homme. Plus faire contrôler par un homme. Hey. Nique ta race, toi, t'es pas mon rey. T'as pas de valeur, toi, à part l'oser. T'as pas de principe, on est pas pareil. Pourquoi qu'on est pareil, on est tous dans le bad. Ouais. On fait du son pour pas leur entrer dans.
hey. Yeah, Mizzy. Yeah, yeah, yeah. New Gen Record. La marque de le banal. Libérer le Big Biz, la marque noire. Un pas en moins, du pas en plus. L'homme est mauvais comme mes pressentiments. Exclu. Je vois les efforts, mais je vois que tu manques. Soit je te tue, soit je te laisse en lui. Dans les portes de Paname. C'est aussi cramé, aussi sale. Que dans les cœurs de ces lâches. Que dans les boules de toutes ces dames. Destin tracé à la craie, certains passés sont des rumeurs. Je suis dans le parking ou sur le banc, selon les passes et les humeurs. Selon mes temps et le temps, toujours en pente, toujours en paix. Avec moi-même, toujours en guerre, avec leurs âmes 10 ans après. Ce que tu comprends pas, je vais pas te le répéter 15 fois. Cuerpo exhibé sur le réseau, elle nous appartient autant qu'à toi. On n'a pas fait les mêmes écoles. On n'a pas tous eu les mêmes rôles. Wow, à prendre de l'âge, même si le vent nous permet pas de prendre la mer. On sortira nos têtes de l'eau, comme demain, comme hier. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que je sais, moi. Mais quelle la mer, je sais le faire, moi. On se bouffera dans le désert, chacun sa mère et son linceul. On arrive seul, on repart seul, ton jumeau pensera qu'à sa gueule. Dans les portes de Paname, c'est aussi cramé, aussi sale. Que dans les cœurs de ces lâches. Que dans les boules de toutes ces dames. Rapide efficace comme Messi et Suarez. Rapide efficace comme le gang de Juarez. Rapide efficace comme Zipette dans les toilettes. Comme Nick ta mère en trois lettres. Dis-moi qui doute, dis-moi qui bouge. Je dirais chacun combien il coûte. J'ai des bonnes, j'ai des gars qui font c'est beau. T'es un bon, j'ai tapis, je roule un bédo. J'y repère les rétro. Et tu veux tout liquider. La dame nous a débridé. Qui t'y connaît, on s'en fiche, nous on met un genou s'il cache la vérité. Y'a quoi sous la jaqueta. Dans les portes de Paname, c'est aussi cramé, aussi sale. Que dans les cœurs de ces lâches. Que dans les vols de toutes ces dames. Dans les portes de Paname. Dans les portes de Paname. Dans les rues de Boulogne Business, dans les portes de Paname, dans les rues de Bondier Nord. À mon 9-3, on dit non, Boulogne, 9-2, oui, oui, tous les quartiers de France, toutes les portes de Paname. À l'instant, en live sur Skyrock, il y avait Nassi, il y avait Mizzy qui vient de conclure le live avec l'artiste, l'artiste qui était là aussi avec nous en live. Belle session à l'instant. Hein. Sympathique. Bien. Un petit mot sur Mizzy, comment tu vois l'avenir lui pour lui Mizzy, justement J'espère un avenir plein de musique et plein de succès. Là, on travaille. On travaille sur ses futurs projets, sur ses futurs clips. Puis voilà, n'hésitez pas à le suivre, hein, vraiment. Vas-y, rappelle d'ailleurs où est-ce qu'on peut suivre. Mizzy Off sur Instagram. C'est M-I-Z-I-O-F-F sur Instagram. Et Mizzy-212 sur Snap. D'accord, donc là on peut retrouver toutes les infos. Ah là ouais, en plus c'est du lourd qui arrive. Tout ce qui va sortir, tout ce qui va arriver. Ouais, bien sûr. Allez suivre Mizzy. Nassi aussi pareil, on va te suivre, mais comme d'hab. Il y a le projet Arabesque qui arrive. Ouais, moi j'ai un EP qui arrive le 10 novembre. Le 10 novembre, Arabesque, volume 1, un EP, 7 titres. J'ai sorti l'intro il y a quelques temps, qui est toujours disponible sur YouTube ou les plateformes de téléchargement. Il y a un nouveau single qui sort vendredi, qui s'appelle Ce qu'il me reste. Vous avez l'exclu, je viens de l'annoncer, personne ne le sait. Voilà, exclu total. Voilà, et sinon, les réseaux, Nassi officiel sur Insta, c'est là que je suis le plus. Donc voilà, je vous invite à me suivre. Mais en attendant, comme avant, savourez comme avant, c'est lourd les gars, l'album il est chaud. C'est dispo comme avant, c'est l'artiste. Yes. C'est double album qu'on va pouvoir découvrir aussi cette semaine si vous ne l'avez pas encore. Rendez-vous tous les soirs entre 20 et 21. Et avant de se quitter, on finit avec un dernier morceau, tiens, extrait du projet, voici Ya. Ya. Aïe. On se dédicace à tous les Amazirs du monde, tous les Schneurs. Les Mintanuts.
Extrait du projet de l'artiste. On a passé déjà une belle première soirée. Demain, le retour, ouais. L'artiste. Demain. Entre 20h et 21h, on va saluer une fois de plus nos invités, ceux qui étaient là. Il y avait Nassi qui était là, il y avait Mizi. Le fameux DJ Battle était là aussi. Je t'ai pas demandé, t'avais des trucs à annoncer, Battle, aussi pour toi ou pas? Pas du tout, à part comme avant. Enfin, si, je fais plein de trucs, mais c'est pas tellement le moment d'en parler en réalité. D'accord. Mais ouais, non, c'est surtout comme avant, cet album est chaud. Voilà, c'est très très chaud. Double, double album, 30 titres. Yes. Est-ce que c'est le dernier? Je sais pas. Non, je rigole. Ah bon, c'est pas le dernier. Ah, mais merci. Non, mais j'avais cru entendre ça. Comme ça. J'avais cru entendre ça en disant. Non, en fait, quand je dis dans un morceau, je dis j'arrête la musique. Mmh. J'arrête la musique, c'est un paradoxe. En fait, j'arrête le bruit. Je commence l'art. Ok. Voilà. Et ben, on en parlera toute cette semaine entre 20h et 21h. Merci à vous tous. Allez vous procurer comme avant, c'est disponible. Et rendez-vous demain un petit peu avant 20h pour la suite de ce Planète Rap. Merci à vous tous. Là, on va retrouver D-Fool. C'est parti dans un instant, merci. La radio libre. Yeah. Yeah. Yo. Mate les lives exclusifs de Planète Rap en t'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.